Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour non pas un hentai japonais, comme semblerait l'indiquer ces petits signes, mais pour un petit jeu indé, une petite présentation, on verra si on en fait un LP ou pas, mais je voulais vous montrer le jeu en tout cas. Ça s'appelle Bokida, c'est un petit jeu indé qui a été développé en... Alors je sais pas si c'est que des mecs français ou si c'est en partie des français, mais je sais qu'il y a au moins des français dedans, et en plus qu'il y a la particularité, sa BO a été faite par Mr. MV, je sais pas si vous connaissez, qui est un streamer connu français qui fait partie des dinosaures du streaming, qui est là depuis très longtemps, et qui fait des streams complètement déjantés, et qui aussi produit de la musique, il aime bien. Je vous linkerai vers certaines de ses vidéos, certaines de ses œuvres. Il en a fait une, notamment à mon sujet, qui est assez rigolote, il y a de ça quelques années. Moi, je l'ai connu quand je suis passé par OGaming, hein. Ça remonte à 3 ans, quasiment, maintenant. Même plus de 3 ans, je crois. Bref, il a participé, il a fait la bande originale, qui en plus est particulièrement sympa. Et je voulais vous présenter ce jeu parce que j'y ai joué quelques heures, un petit peu pour voir comment c'était. Et il a un univers extrêmement particulier. Enfin, il est vraiment sympa, c'est un ovni artistique. Il ressemble dans le style beaucoup à Antichamber, pour ceux qui s'en souviennent. C'est un petit peu sur cet aspect monochrome, mais vous allez voir qu'après ça va prendre de la couleur et au niveau des énigmes, mais dans un monde beaucoup plus ouvert que l'était Antichamber. Donc sans plus tarder, on va démarrer une petite partie, c'est très poétique comme jeu aussi. Je vous laisse voir ça, l'idée c'est de découvrir ça, on verra si on en fait un LP ou pas, mais... Je vous laisse découvrir ça. Donc on va faire sur une autre sauvegarde. Option, je vais juste vérifier au niveau de l'audio. Ouais, les sons sont bons, de toute façon j'enregistre en séparé. Et on est parti. Et ça charge un petit peu au début, c'est normal. Gazaki 불행해진 화합을 기억하나요? 이렇게 머나먼 곳에선 날 압도했던 그대의 힘을 거의 느낄 수가 없군요. 지금 내가 그대를 보는 것처럼 그대가 날 볼 수만 있다면 따뜻한 빛으로 둘러싸인 밝은 별이여 맑은 새벽부터 슬픈 황혼까지 우리가 성운을 타고 너무 멀리 떠내려온 건 아닐까요? 우리의 잊혀진 포옹을 되새기는 울림이 들리시나요? 당신도 나처럼 우리의 재회를 갈망하는 힘을 느낄 수 있나요? 나의 육체는 천국 속에서 모든 감각을 일깨웠답니다. 부디 전령이 나의 부름을 듣고 나를 그대에게 인도하기를. Et voilà, c'était l'intro. Alors, non, je n'ai pas mis la voix japonaise. C'est comme ça de base, c'est sous-titré français. C'est en japonais. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est que au niveau des devs. Il me semble que c'était une équipe internationale, donc c'est possible qu'il y ait justement des japonais dedans. Il me semble que c'est du japonais, sauf si je dis de bêtises. Et donc, c'est énormément sur le thème du yin et du yang. Forcément, vous l'avez vu. Et sur le blanc et le noir. Même s'il va y avoir des couleurs après. 나의 귀환을 불러올 운명이란다. Et donc nous on est le messager. Donc voilà pourquoi je dis que ça ressemble à Antichamber, parce que
Enfin, vous le voyez, vraiment. Alors, on va se déplacer, je vais mettre en QWERTY, comme ça on est bon, voilà. Voilà pourquoi je dis que ça ressemble à Antichamber, parce que vraiment, dans l'aspect monochrome, avec uniquement les contours... Ah oui, on peut pas sauter encore. Avec un monde assez étrange, au final. Mais on peut se balader dedans. La musique est vraiment envoûtante. Là-dessus, gros bravo à Mister MV, je l'avais déjà dit. Enfin, moi je la trouve parfaitement adaptée par rapport à certaines autres de ses créations. Je vous mettrai un lien notamment sur une chanson un soir où il avait craqué, qui était assez rigolote. Mais en tout cas, voilà, je me posais la question de le faire en LP ou pas, parce que de la même façon qu'Antichamber, il y a beaucoup d'énigmes, mais une fois qu'on les connaît, forcément, ça casse le principe du jeu. Et là, dans le jeu, c'est pareil. Donc on verra, suivant ce que vous me dites, etc. Si vous souhaitez, pour les gens qui veulent y jouer, aujourd'hui, on va quasiment pas... Enfin, on va peut-être faire une énigme ou deux, et encore, je sais pas, ça dépendra de la durée de la vidéo, parce qu'on est surtout dans le début et l'introduction. Mais pour les gens qui veulent y jouer, évidemment, jouez-y avant de regarder la vidéo, pour éviter de vous spoiler, en fait. Donc vous voyez, on se balade dans ce magnifique monde. Et on va basculer... Là, on est dans le monde sombre et on va basculer, enfin, le monde noir en tout cas, c'est pas vraiment sombre parce qu'il est pas maléfique, et on va basculer à un moment dans le monde lumineux. Alors, je sais plus, je crois qu'il faut que je me balade dans ces grottes pour remonter de l'autre côté. J'ai joué un peu pour voir comment c'était, pour comprendre les principes, mais il y a des principes de physique qui sont vraiment sympas. Voilà, on peut sauter. Et alors là, c'est dans ce niveau-là où je trouve ça super bien fait. C'est infini dans les proportions. Vous voyez, regardez, en bas et en haut, ça veut dire que si je tombe et que je résous pas l'énigme, je vais me retrouver à mon point de départ, même si je suis descendu. On se retrouve au même moment. Et je me souviens même plus qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette énigme, d'ailleurs. Je sais plus s'il faut sauter... Je crois qu'il faut monter à un endroit. On va chercher. Je me souviens plus, assez spécial. Les énigmes sont pas simples en plus. On va pouvoir manipuler un petit peu les matières après. Grâce à des outils. Je crois pas qu'il faille faire demi-tour. Il y a une astuce, faut passer par un endroit. Bon, c'est pas grave, ça fait comme si je découvrais le jeu. Faut regarder ce qu'on a en dessous si on peut pas aller à un endroit spécifiquement. Alors faut s'y habituer, hein, vraiment... au décor, parce que c'est pas forcément intuitif au début ou facile à manier. Ouais, je voulais sauter sur le côté mais je peux pas en fait. Voyez, il me semble qu'il fallait juste... Attendez, je sais plus si... J'ai pas d'outils pour l'instant, peut-être qu'en repassant par là... Ouais, c'était un truc comme ça. On était monté par là. Mais là, la sortie va être différente. On se retrouve à un autre endroit. Donc, comme Antichamber, c'est pour ça que je le compare beaucoup à Antichamber, parce que c'est très troublant. Au niveau des perspectives, vous allez passer à un endroit. Quand vous allez faire le chemin en sens inverse, ça va être autre chose. D'ailleurs, vous voyez que c'est passé de 1 à 2. Faut qu'on passe à 3 maintenant, je crois. Faut pas que je saute. On peut sauter sur le côté. Non, on est ramené au centre. On est toujours à 2, c'est pas grave. On va continuer. Est-ce que si on grimpe, on repasse à... À 1. Ah non. Voilà, quand je vous l'ai dit, on est passé à 3. C'est devant nous. C'est troublant, putain. Parfait, voilà, donc on va pouvoir, on a des outils pour construire et plein d'autres choses, on peut construire des blocs. Voilà, j'ai placé un bloc, je vais pouvoir l'allonger. Hop, et maintenant il faut remplir la porte, on dessine. Et là, on va avoir d'autres outils, je crois. Attends, on peut couper. Ça, c'est trop bien. Wata! On va essayer de...
essayer de casser la plupart des trucs. Maintenez clic Glock enflanché. Ok, pour avoir un truc plus large. Voilà, on pousse les blocs et on a dévoilé une porte en fait derrière. Et on peut nettoyer aussi tous les blocs qu'on a utilisés, qui se vaporisent. Voilà, comme ça on peut avancer. Donc tab pour faire défiler les outils, on les voit là-haut. Voilà, on est dans le tuto encore. Hop, ça s'est ouvert devant nous. Surtout que ça ressemble, tous les étages se ressemblent. Et là on va passer dans le monde blanc d'un coup. Hop là. Et hop, ça a disparu derrière nous. Et du coup ça... ça fait un peu mal aux yeux au premier abord. Et on voit le monde sombre qui est là-haut. Et je pense qu'en fait l'histoire c'est qu'on va les faire relier les uns les autres pour faire apparaître des nouvelles choses. Et donc dans les mondes blancs on a des piliers sombres comme ça, dans lequel il va falloir construire pour le remplir, et il va devenir blanc. Quand il devient blanc, c'est que c'est bon, on l'a activé. Hop. On voit qu'il y en a plusieurs. On va aller tous les activer. Pour l'instant, c'est les énigmes faciles. Et à... je vais pas spoiler sur ce qui se passe après. Mais j'en ai fait... une après qui est plus difficile. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Hop. Ici on doit push les blocs pour qu'ils rentrent directement dedans. Hop. Bon hein, c'est guidé forcément, ils vont pas partir de l'autre côté, sinon on s'en sortirait plus. Hop, c'est bon. Et vous avez vu, les boules qu'on a utilisées, on les voit, puis elles vont finir par disparaître. Il nous en reste un dernier à activer! Alors, est-ce que vous êtes dans les airs? Maintenez space pour planer. Oui, on plane! On a nos élytras! Là, je crois qu'il faut qu'on... cut ces trucs-là, voilà. Alors, cut, ou le... je sais pas si clean marche... Le clean, je crois que... Non, le clean, vous voyez, c'est que pour nos blocs à nous. Voilà! Ça me fait un peu penser à l'Odyssée de l'espace avec... 2001, l'Odyssée de l'espace avec ses monolithes. Et donc là, la partie noire va s'agrandir et je suppose... qu'il faut que elle s'agrandisse et qu'elle fasse la taille du cercle. Elle va s'agrandir au fur et à mesure qu'on fait des épreuves. Enfin, voilà ce qui m'a aidé à le deviner. Forcément! On a des bons indices, mais alors après, voilà. Donc là, on a fini le tuto, en fait. Et c'est maintenant que ça part en couille. Donc là, ça nous guide un peu par où aller. Alors les boules, c'est des trucs bonus où on peut les récolter dans chaque chapitre. On peut récolter un certain... Enfin, où je crois que c'est à travers tout le jeu. Il faut réussir à toutes les trouver. Je sais pas si c'est pour le finir à 100%. Donc maintenant, le monolithe est devenu noir et il transmet son énergie. Où est-ce qu'on a vu les boules? Alors, en ayant sélectionné l'outil de build, visez un bloc, puis appuyez sur clic droit pour vous propulser dans cette direction, ouais. On peut se propulser, c'est plutôt pratique. En fait, on peut construire à n'importe quelle distance. Et donc ça va être très pratique pour se déplacer rapidement, parce que les mondes sont grands. On va récupérer les petites boules. T'inquiète, je vais tout récolter, bébé. On voit qu'il y en a là-bas. Alors attendez, on va essayer de se servir. Ah, c'est bon, je suis passé. Hop.
Grimpe bébé. Et notre bouboule. Donc je présume que c'est là-bas qu'on va devoir aller. Enfin je présume pas, cette partie je l'ai faite, je le rappelle, jusqu'à la première énigme. Hop. Donc 5 sur 67, faut récolter 67 en tout. Et c'est là que tous s'en vont à celui qui est le détenteur de la voix, car il porte avec lui la paix, la douceur, la tranquillité. C'est là que ça part dans le métaphysique, les mecs. Hein. Ils virent tant d'êtres au destin autrefois isolés communier pour former un seul peuple au devenir commun. Alors ça raconte un petit peu l'histoire aussi des deux grosses boules. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un hentai japonais, il manque des tentacules, mais... Non, faisons pas dans le gras. Le jeu est vraiment très poétique pour le coup. Je rigole évidemment. Et très ouvert. Alors sachez qu'on peut construire partout, hein. Vous voyez, j'ai construit ici, donc on peut faire tout ce qu'on veut, vraiment. On est infini dans la construction. Je crois qu'on a, si jamais on construit trop et que ça commence à laguer, on a le moyen de tout clear, ouais, effacer les blocs et les débris. Pour éviter que ça soit trop le bordel, parce que ça peut arriver. Bon, rendons-nous ici. Hop. Et évidemment, remplissez le cadre, donc ouvrir la voie. Ah. Non, je voulais pas me propulser. On va nettoyer ça. Non ! Je suis un galérien un peu des fois. On remplit au pinceau tel un artiste. Je suppose que... Voilà, ça nous a ouvert la voie. Et là, on passe dans le monde sombre. Et on va repasser dans le monde clair. Mais on va se retrouver à un endroit, voilà, totalement différent. Une fois de plus, on est perdu. Le non-dit. Alors, on voit en haut à droite qu'on a, on a changé de lieu. Alors, je suppose qu'il faut que j'aille en face. Mais la feinte, c'est qu'en face, c'est... C'est où on veut. On va essayer de... Ah oui, c'est vrai que je peux planer. Ah, là c'est beaucoup plus simple. Là-bas on a des petits poteaux par endroit. C'est vraiment un infini vers le bas et infini vers le haut. C'est toujours perturbant les jeux comme ça où on perd ses repères. On va planer tranquillement en face. Je sais pas s'il fallait aller au monolithe, j'ai pas l'impression il est tout blanc. Généralement, voilà, dans les mondes blancs, c'est tout ce qui est noir qui nous indique là où il faut aller. Et inversement. On va voir si on peut bien tomber, mais je pense que oui. On plane tranquillement. Et on va tomber où il faut. On ne pourra passer par au-dessus. Alors... Ah. Ah, il fallait juste compléter le premier. Ah oui. Ça c'est le début. C'est voilà, c'est la fameuse première épreuve. C'est là que ça a commencé à être la merde. Encore celle-là est facile. En gros, il va falloir qu'on fasse passer ce flux par tous les monolithes. Alors là c'est facile parce que... Hop là. On a juste à faire ça et on va cutter proprement et clean cette partie-là. Et comme ça, notre giga laser passe quasiment à travers tout. Je pense qu'il faut qu'on... On peut pas... Ah si, on doit pouvoir build là-dessus et cut plus proprement. Oui, ben non, j'ai pas bien cut. Ah bah j'ai pas bien cut non plus. Oh, attendez, on va essayer de recut à chaque fois. Ah, ça y est, là c'est bon, c'est passé. Comme si on travaillait le marbre. Magnifique.
Et ça, c'est la mécanique principale que j'ai vue en tout cas. Mais je suis pas allé assez loin, il doit y avoir d'autres mécaniques après. Mais ces histoires de maniement de blocs pour faire des miroirs de réflexion de faisceaux et le faire passer par des monolithes. Et on se retrouve dans le monde noir. Poche activée, maintenez clic droit, enfoncer. Viser les blocs propres, puis relâcher. Avec l'outil de push activé, maintenez clic droit enfoncé pour charger le nouvel effet. Ah! Ça va nous permettre de les briser. On les éclate en morceaux. Oh, trop bien! Ugh! On a l'impression d'avoir un shotgun! On va monter les escaliers, hein. Voir où ça nous mène. Oh, une boule. On prend. Et on arrive à l'observatoire. Alors vous avez vu qu'on est... on est à un autre endroit de la map. On était rentré, on voit les escaliers là-bas par lesquels on était rentré. On est rentré dans la tour là-bas, je crois. Et on est sorti ici. Là, on est sorti à cet endroit-là. Et... je pense qu'on va s'arrêter là pour la présentation aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un petit LP dessus. Je voulais avant tout vous montrer le jeu. On a vu la première mécanique, il y en a d'autres. Sans spoiler, il y a plein d'éléments qui se rajoutent après. Mais vous avez compris l'environnement et le principe. Et vous voyez que ça ressemble pas mal sur le principe à Antichamber. Donc si vous avez aimé Antichamber et que vous êtes arraché les cheveux dessus, vous vous arracherez les cheveux aussi sur ce jeu. Mais du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. En tout cas, enfin, le jeu vaut vraiment le coup si vous avez l'occasion, que vous savez pas trop. C'est un ovni dans l'univers des jeux vidéo, on n'en rencontre pas souvent ces jeux-là. Hop, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit ici. Je n'ai pu détourner mon attention de l'un d'entre eux dont la singularité m'a tiré de manière explicable. J'ai depuis ma position sur les hauteurs. Ah, il faut grimper là-haut, parce qu'on doit voir quelque chose. On va grimper là-haut et on va se quitter là-haut. Alors, c'est là que... ça va commencer à être hardcore. Non! Quand on n'a pas de vitesse, c'est chaud à se propulser. Oui! C'est bon, j'y suis arrivé. Et là, voilà, on voit la zone et notamment ce méga temple où il faut aller pour la suite. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis peut-être rendez-vous à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao. Et arrachez-vous bien les cheveux sur ce jeu.